Alors bonsoir, nous sommes très heureux d'être ici avec vous. Et donc c'est une soirée consacrée à la rencontre entre Justin Valli et Jacek Wozniak. Et donc Justin Valli, c'est un monument de la musique de Madagascar, c'est l'un des plus grands joueurs de sitar. Et donc il a amené tous ses instruments, je pense qu'il aura l'occasion d'expliquer un peu comment ça marche. Donc il y a toutes sortes de ce qu'on appelle la valir, la sitar tubulaire, la marovagne, des sitar sur caisse, tous les instruments. Voilà, c'est aussi un grand chanteur. Il joue aussi du cabos, la petite guitare. Voilà, et on va jouer. Le spectacle est bâti sur ces compositions magnifiques. Voilà, c'est une des grandes figures de la musique malgache, prix de la SACEM, collaborateur de Peter Gabriel, de la chanteuse Kate Bush. Voilà, et donc il est à la fois un musicien très, très en vue dans le domaine de la world music, et en même temps un dépositaire des traditions malgaches. Voilà. Et alors, Jacek Wozniak, c'est un grand dessinateur, caricaturiste, illustrateur, collaborateur de longue date du Canard enchaîné. Et donc, je pense que vous avez tous vu ses dessins. Et lui, là aussi, il a une grande expérience de la collaboration avec des musiciens. Il a travaillé avec Manu Chao, avec Archie Shepp, et alors il a fait des pochettes de disques, des affiches de spectacles, mais il a aussi, ça l'intéressait aussi de participer à des spectacles, voilà, et en particulier il a travaillé avec Archie Shepp dans des spectacles, un peu sur le principe de ce que vous allez voir, il dessinait en direct sur l'écran pendant que le groupe d'Archie Shepp jouait sur la scène. Voilà, et alors ces deux grandes figures avaient envie de se rencontrer. Il manquait l'occasion. Alors, c'est une amie commune, Julia, qui les a fait se rencontrer. Alors, il était question qu'ils collaborent sur un projet pour une association malgache. Et puis, les choses se sont un peu accélérées parce qu'on a proposé cette rencontre à Cédric Torisson, donc, qui est le directeur du Festival de l'Imaginaire. Et ça marchait bien avec l'idée du Festival de l'Imaginaire. C'est très ancré dans les traditions malgaches, avec en la personne de Justin Valli. Mais en même temps, c'est un spectacle très coloré, très visuel, comme sont souvent les spectacles du Festival de l'Imaginaire, où il y a des costumes, des masques, parce qu'il y a des rituels qui sont présentés sur scène. Voilà. Et donc, le Festival de l'Imaginaire a été un peu l'occasion qui a déclenché les choses. Voilà, et qui a permis cette rencontre à laquelle vous allez assister. Voilà, et entre Justin et Wozniak, il y a d'autres intermédiaires. Il y a Sabina Covarrubias, qui est une spécialiste, qui est musicienne et vidéaste, spécialiste de spectacles avec de la vidéo. Et puis il y a aussi le logiciel que je vais utiliser moi, qui est un logiciel d'improvisation musicale. Et en fait, ces logiciels, c'est eux qui vont permettre de créer le lien entre la musique de Justin Valli et les dessins de Wozniak, notamment de pouvoir synchroniser les images, parce que vous allez voir que les personnages vont danser, et ils vont danser en rythme avec la musique. Et ça, c'est les logiciels qui permettent de le faire. C'est d'ailleurs un travail de recherche sur lequel on collabore, Sabina et moi, avec l'IRCAM, avec le HESS, avec différentes institutions et des financements de l'ANR ou de l'ERC qui permettent de faire ces projets. Voilà, et donc, c'est donc la première fois que c'est une création, c'est la première fois que le spectacle est proposé. Et voilà, donc ça va être une découverte aussi bien pour vous que pour nous, puisqu'on n'a jamais eu l'occasion de le faire sur scène. Et voilà. Et donc, bon spectacle! Mm-hmm.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Manon Ladoli, bonsoir. Salam Adoli. Aïe, ma Fnat. Merci beaucoup, les amis. Je vois, il y a beaucoup d'amis qui sont venus, surtout vous, les publics. Je vois même monsieur l'ambassadeur. Merci d'être venu, monsieur l'ambassadeur. On est très contents, nous, les artistes, quand notre ambassadeur vient nous écouter. Tout à l'heure, Marc vous a expliqué. Donc, Marc, c'est lui qui joue l'intelligence artificielle de la musique. Vous voyez? Et c'est très, très difficile, même au début pour moi, parce qu'il faut être très carré, mais en même temps, il faut improviser. C'est le défi total pour nous, les artistes. Et je suis très, 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 très heureux d'être entouré de grands. Oh là là, le maître Wozniak, Sabine et Marc. Et là, c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi aujourd'hui parce que c'est la première fois que je chante en français. Oh là là. Ça, c'est à cause des Marc. Et donc, avec mon accent, c'est un petit peu compliqué, mais je... Les titres, c'est voilà, l'idée, c'est d'appeler le monde, surtout vous qui habitez en ville, d'aller dans la forêt. Voilà, donc voilà à peu près ce que je voulais dire dans les textes. Donc voilà, avec l'image, vous allez lire les choses.
Mais tout le monde, il faut sauver la terre. À vous! Il faut sauver la terre. À vous! Il faut sauver la terre. Oh. Encore une fois! Il faut sauver. Merci beaucoup. On doit sauver la terre. Il faut sauver la terre. Un peu plus fort, il faut sauver la terre. Attends, il faut sauver la terre. Oh, il faut sauver la terre. Il faut sauver la terre. Merci beaucoup. Bon, il est temps que je vous explique un petit peu rapidement nos instruments traditionnels de Madagascar, qu'on appelle chez nous la valija. Je pense que ça va encore. On peut dire le vali ou la vali, c'est pas grave. Moi, j'ai ici, nous avons ici plusieurs valis, hein, quatre sortes de valis. Mais celui-ci, donc, c'est vraiment la plus ancienne valie, c'est la première valie. Parmi la plus ancienne harpe du monde, vraiment. Pourquoi ? Parce que les cordes que vous voyez ici, donc, c'est les fibres de bambou même qu'on a soulevées. Donc, c'est l'écorce de bambou qu'on a tirée avec les deux côtés, les deux nœuds. Et c'est vraiment très difficile à construire parce que si jamais on casse une corde, on ne peut plus s'en servir. La valie. Pour moi, ça va encore parce que je fabrique la valie, donc toute ma famille sont fabricants des valies à Madagascar. Et c'est vraiment un type de bambou qui est très spécial parce que c'est des bambous qui poussent dans l'eau. Sinon, on peut pas avoir un peu plus de sonorité qui est ronde, qui peut donner des mélodies. Donc ça, c'est la plus ancienne valie. Après, je vais vous présenter tout à l'heure les autres valies. Comme ça, on va écouter, on essaie de jouer doucement pour ne pas casser une corde. Thank you.
Thank you.
Donc il n'est pas cassé, donc c'est bon. Donc, ça a duré à peu près 3 ans. Après, il faut fabriquer une autre pour avoir joué.
Donc là, c'est la quatrième valise. Mais donc la deuxième valise, d'abord, c'est celui-ci. Donc c'est les cordes en métallique. C'est toujours en bambou. Hein. Mais les cordes, ce sont en métallique. Et pour avoir à régler la valise, donc il faut déplacer cette petite, ces valises en calebasse. Et donc, c'est pas du tout compliqué pour les fabriquer celui-ci parce que les cordes que vous voyez ici, donc c'est le... C'est les câbles de frein des vélos. Arrière, mais pas les freins avant. Non, non, c'est très important. C'est pas que, c'est très important parce que les freins avant, c'est très fine, trop fine. Là. Donc, ça ne sonne pas très bien. Donc, nous, on utilise les câbles de frein arrière des vélos, des bicyclettes. Et il faut détacher une par une. Et voilà la valise. Donc, c'est une gamme diatonique. Première accord de droite, c'est le do. Tout de suite à gauche, c'est le ré, mi, fa, sol, la. Ah oui, c'est là, c'est... Voilà, donc ça, ça... Donc ça, c'est... Parce que j'ai réglé différemment, parce que c'est ça, les magies avec M. Marc, avec toute l'équipe. Il faut dérégler aussi, il faut suivre vraiment, donc il faut régler différemment la valise. C'est pour cela que les créations, c'est très, très important parce qu'on fait des recherches. Hein, c'est ça que, et on a travaillé beaucoup pour la répétition. Hein, on était fatigués. Hein, mais bon, aujourd'hui, on est en forme. Hein. Voilà. Là, donc, ça, c'est Vatumalaza. Vatumalaza. Ah, on va... On demande un petit peu l'intervention des Anahaks parce que c'est dur ici par terre.
Mane na rosa na har Marlanta Santana Mandata ka tsukan srambava kizaira Lazan vovó zemi se tem na embalante aqui Ndia kua na reu Vau ka marbeze tunga bonat mas kote mas um nandan ruan Raitene lua na reu teno kde a mela tinto ko Tam tsitika katao marso Na mandonda na katao bailala Fantino toko Miso katao nilola panala Tsitika na kota vomangule Leala tina tana tina revo Waka nemba lanta Amzan fitene na nzan Arme ala tina poeta ni Ulumana kaza Não andei matou a masufua ni Pirene na Malagas E tene lua na reta mandata Tio Jans Fran Bavake Tandemo refa so tem pique, tandemo refa so tem pique.
René Touzanahar. Dernière nouvelle du monde Riava. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça a duré combien le morceau, parce que moi je suis parti loin. Les amis. Maintenant, on va aller à Massoal. Donc. La forêt primaire de Madagascar, là où il y a la biodiversité, c'est très important, il faut les protéger. L'importance de la forêt et la biodiversité. Ah, c'est ça, moi, comment ? Voilà. Je dois régler différemment. Voilà. Ma valise. On va chanter ensemble pour la forêt. Moi, je pense qu'on va, faire vraiment, on va bien enregistrer, parce que je sais que vous allez faire, on attendait tout à l'heure que vous sentez très bien, donc vous. Pata pata kala, c'est-à-dire. C'est l'eau qui tombe dans les feuilles, dans la forêt. C'est là le vrai signal pour nous, les êtres humains. Si jamais que cette petite eau qui tombe, qui n'est plus, n'existe plus, donc ça sera la fin pour nous. Donc il faut qu'on sente ensemble pour protéger notre forêt. C'est comme une larme qui tombe. Donc, là, c'est très simple. Oh, 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 pata pata kala. Le deuxième. Oh, 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 tau masuala. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Allez, on y va. Zana kandemang
Maya l'anissa, c'est idée, l'igna sa vie, tonio, ta ou ma soala, no, tu era na va fidim, de yitan andema, tanin de kimisa, ma te uti, ma te isa, fugin andema, tanela yaga tanua, ta ou ma soala, la nova na tout monde. Thank you.
Ah là, Marc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le morceau suivant? Parce que, oh là là, c'est dur, dur, hein? Hein? Ça, c'est... Alors le morceau qu'on va jouer, c'est un hommage à un grand sitariste du sud de Madagascar. Il vivait près d'Ombouvumbe, dans le sud. Il était en Tanjouille. Et je l'avais rencontré la première fois que je suis allé à Madagascar, en août 2000. Et puis j'ai retravaillé avec lui par la suite. J'avais été très, très fasciné par son jeu de sitar. Il jouait de la sitar marovagne. Il n'avait jamais quitté son village. Il habitait à côté d'Ombouvumbe. Et sa principale activité, c'était de jouer dans des séances de chumba, c'est-à-dire des séances de transe de possession. Donc il était le musicien qui animait les séances. Il en faisait parfois plusieurs fois dans la journée. Et j'étais très fasciné par son jeu et j'avais envie d'étudier ça, voir comment ça fonctionnait, notamment par rapport à la transe. Et comme ça se joue sur des très longues périodes de temps, j'ai monté un projet de recherche qui consistait à mettre des capteurs sur la marovane pour pouvoir détecter le jeu du musicien. Et voilà, on a travaillé avec Velunzlo. Et puis évidemment, après, avec ces capteurs, je me suis dit, mais on pourrait aussi, après, mettre les données dans le logiciel d'improvisation et improviser avec les données de Velunzlo. Et puis on a fait des duos avec Velunzlo en 2014, 2015, 2016. Et il était très content, il trouvait ça très, très intéressant. Et puis Velunzlo, il est décédé en janvier 2017. Il a 54 ans, il avait l'âge de 54 ans. Et donc ça a un peu mis un terme à mes expérimentations. Et puis quand j'ai commencé à travailler avec Justin, je lui ai fait écouter Velunzlo. Et il a dit, mais ça c'est vraiment incroyable. Parce que Justin, il est des hautes terres, hein, au centre de Madagascar. C'est pas tout à fait la même région que le sud, même du point de vue du climat, de la végétation, etc. Il disait, mais ça, c'est incroyable, cette manière de jouer. Et moi, je veux jouer avec Velunzlo. Voilà. Et donc, on a commencé à faire un duo entre Justin et puis Velunzlo, mais qui est plus là, mais donc Velunzlo à travers l'ordinateur. Voilà. Et donc, c'est une espèce de duo virtuel entre deux grands sitaristes. Un qui est là avec nous et puis l'autre qui est plus là. J'ai oublié de dire qu'avec Velunzlo, j'avais le projet de le faire venir en France. On était prêt à le faire avant qu'il disparaisse. Et voilà. Et donc, il n'a jamais pu venir en France. Mais du coup, la séquence visuelle qu'on va vous montrer, elle parle de ces gens qui viennent en France, les migrants. Voilà. Et ce n'est pas toujours très facile. Thank you.
C'est rapide, hein? C'est pas évident de suivre la machine, Marc. C'est Velunzur, oui. Bon, voilà, nous arrivons à la fin, donc on va vous interpréter une chanson. S'appelle Bilo.
Lamakum, Averenu, Averenu, Atambar, Atambar.
Lamaku, Lamaku, Averen, Averen, Atamba, Atamba. Merci beaucoup, merci. Donc à la musique et à l'intelligence artificielle, Marc. Il y a animation donc qui fait tous les rythmes incroyables, c'est Sabina. Et le grand maître, oh là là, c'est Wozniak.